étaient tous mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à celui qu'ils appellent intimement Yaoundré. Ils, ce sont des membres militants et autres cadres du PPRD Fédération du Congo, ainsi que d'autres couches de la population de King et ses environs, venus saluer leurs frères. Du pont Ouamba en passant par Mangoy, Kingoulou, Mangangu, jusqu'au centre-ville où se trouve la résidence du sénateur, c'est des cris de joie pour saluer la présence du sénateur Kimbuta. Le séjour de l'élu des élus du Congo à Kenge n'a pas été de tout repos. La journée du mardi 7 septembre était celle d'intenses activités. Le sénateur André Kimbuta est allé rendre visite aux élèves des Epemante Kambuta et Tomazaya, là où lui-même a fait ses études primaires. L'homme ne s'y était pas rendu main bredouille. Dans sa gibecière, un lot important de kits scolaires composés de sacs, cahiers et autres objets classiques pour plus de 1000 élèves. Question pour André Kimbuta d'alléger la charge aux parents. Le sénateur a aussi pensé aux enseignants à qui il a remis de pagne. André Kimbuta a prêté une oreille attentive aux doléances des enseignants et des responsables de ces écoles. C'est dans ces cadres qu'il a promis d'installer une unité de prise en charge de malades du diabète à la paroisse Saint-Esprit, comme l'a souhaité l'un des abbés responsables des écoles, ainsi que la construction de latrines. Pendant son passage ici, il a laissé des traces. Il a pensé aux malades, aux diabétiques qui sont ici dans notre quartier. Notre centre de santé Saint-Esprit prend soin des diabétiques. Et il y a parmi ces diabétiques les petits enfants de moins de 20 ans qui sont malnutris, qui ont un sérieux problème de nutrition. Et voilà, il a fait un geste de générosité à l'égard de ces enfants. En même temps, il a pensé aussi aux petits-enfants, aux élèves qui sont l'avenir du Congo de demain. Et les petits-enfants qui viennent de recevoir ces dons et ces gestes resteront marqués durant toute leur vie. Les enseignants ont aussi de leur côté loué les gestes posés par le haut sommet car, ont-ils dit, la situation de l'école primaire Matekambuta et Tomazaya est restée le cadet de soucis des politiques de Kwango et du Kenge. Nous n'avons jamais eu un pareil cadeau venu de nos anciens élèves qui ont terminé ici et qui sont devenus des grandes personnes. Il est rendu à l'hôpital général de référence de Kenge où il a échangé avec les personnels de cette institution sanitaire qui lui ont posé un certain nombre de problèmes. On peut en effet rappeler qu'en 2019, il a plu à l'honorable sénateur de doter des lits modernes abritant tout le pavillon de pédiatrie, de matelas et tout un lot important de matériel à l'hôpital général de Kenge. Pas plus tôt qu'en février 2022, il est revenu encore pour doter un générateur de 20 kVA à l'hôpital, y compris les carburants gérés par la station NASA pour les familles endeuillées. Ici aussi, il a remis un lot de matériel en complément à ceux qu'il a remis à cette même institution il y a 3 ans. Il a promis de prendre en charge la situation de certaines personnes non payées en attendant la régularisation de leur situation à la fonction publique. Bon, puisque sans la santé, on ne vit pas au maire. Et en deuxième lieu, si aujourd'hui vous êtes médecin, parce que quelque part, vous avez été formé. Donc, la deuxième priorité pour moi, c'est l'éducation. C'est pourquoi nous avons inversé, tellement je me suis trop occupé, comme vous venez de le dire, de l'hôpital. J'ai voulu cette fois-ci penser à nos enfants, à nos élèves, à l'école où moi-même j'avais fait la 4e, la 5e et la 6e primaire. Le sénateur André Kimbuta a doté à la Fédération provinciale du PPRD Kwango d'un siège où devra se tenir désormais les activités du parti. L'inauguration a eu lieu peu avant son départ. André Kimbuta a invité les cadres, membres, militants et autres sympathisants du PPRD à multiplier des stratégies pour faire rayonner l'image du parti, avoir beaucoup d'adhérents dans le but de gagner les élections à tous les niveaux en 2023. Mingi, mingi! Raïs, raïs, raïs! Naïe, na salikaka, 2 jours. Bozui si agité. Tosui! Sikonde, to décoller.
Yami balé moussala na sengi bino. Bandeko ya bisho akala. O balala bafanda bakoma bani tike. Boye bisa bangoke yandre. Alobi boy, la moukayaka, moussale bandi. Avant de quitter l'hôpital général de référence Tokenge, les sénateurs André Kimbuta a payé les factures de malades qui étaient bloquées dans cette institution médicale, faute de moyens. <t'en>